Salut tout le monde, c'est Priya. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode numéro 20 de notre jeu Zelda Breath of the Wild. Bienvenue à tous. Nous étions en train de faire les quêtes pour faire la cinquième créature divine. Donc nous devons faire à chaque fois 3 temples dans les 4 zones et refaire nos 4 boss. Les 4 créatures divines en même temps pour pouvoir faire cette cinquième créature divine. Donc bienvenue à tous, salut Cécile, coucou Maya, salut Céline, comment ça va? Bienvenue à tous. Bienvenue. Alors, je vais mettre juste ça en place. Ça, je vois tout. Ah, et c'est parti donc, je suis sur l'une des tours. On a un temple, je vais regarder quelle heure il est. Attendez, alors avant de faire le temps, la tour. Ouais, j'ai peut-être le temps. Ouais, j'ai le temps. On va ouvrir la tour et ensuite on va essayer de faire le sanctuaire qui est là. Salut Tom, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je pense que sur celui-là, il faut que je décoche une flèche dessus. Mais j'en suis plus sûre. Parce que j'ai essayé de la tour, mais de la tour, je crois que je suis trop loin. Voilà. Je vais me mettre de là. Bon, je sais pas du tout si c'est là, mais écoutez, on va voir. Si je tire par là, ouais, ça tire pile poil dessus. Donc on va voir. Je sais plus du tout hein, sur celui-là, mais je crois que c'était ça. Décoche une flèche. Mais je sais pas si c'est une flèche en hauteur ou si c'est une flèche directement sur le socle. Mais il faut que j'attende que l'ombre de la tour soit dessus, je crois. Mais est-ce que je confonds pas avec le sanctuaire qui est chez les Piaf? Souvent, ça m'arrive. Parce que là, il m'a pas l'air d'être de passer devant. Je crois qu'on y est presque, ça va aller. Alors, je sais pas du tout si ça va marcher. Putain, il y a des nuages. Chiotte. Non, ça va. Elle a pas l'air. Hein. Tu vois, c'est pas là. Ce qui veut dire, c'est que ça doit se faire de plus haut. Parce que tu vois, l'ombre, elle aurait dû y être depuis. Donc, je suis pas bien positionnée. Mais merde, parce qu'elle était pas encore. Merde. Attends, je vais essayer de retourner. Peut-être faut que j'attende. J'ai pas trop l'impression, mais c'est vrai que quand je suis arrivée plus tôt. Plus près, elle n'y était pas encore, la tour. Mais là... Je crois pas trop. Et ouais, elle va pas y être. Hein. Ça y est. Ah. Putain, tu vas voir que...
Alors attends, qu'est-ce que je vais faire? Oh putain. Ah peut-être pas encore. Non, c'est pas ça, hein. Je vois pas ce que c'est, hein. Bon, à moins que ça soit là. Je sais plus du tout ce que c'est. Merde, dommage. Pas grave. On se casse. On va faire ce sanctuaire-là que j'ai débloqué. J'ai débloqué plusieurs sanctuaires, donc on va les faire. Et celui-là, je sais plus. Faut que je décoche une flèche. Alors peut-être faut que je décoche. Il fallait que je décoche la flèche quand il y avait l'ombre. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché, mais il faut que je sois en l'air. Je verrai, je le referai une autre fois. Bienvenue à tous les gars. Donc on va avancer un peu dans les sanctuaires parce que j'aimerais bien augmenter un peu mes cœurs. Augmenter un peu mon endurance et tout. Et donc je pense qu'on va avancer un peu dans les sanctuaires. Puis il faut que j'avance dans les autres quêtes parce qu'on n'a pas fini. On a fait les 4 créatures mais on n'a pas tout fait. On n'a pas tout ouvert toute la map et tout. Quand je vais changer d'arme. Ici ça va être pour faire avancer la plateforme. Ok. Est-ce que je dois la récupérer? Merde. Viens, reviens, viens, il y a les mêmes à la maison. Au cas où, on sait jamais, si j'en ai besoin. J'ai pas l'impression, mais oui, je la prends. Bah, tu vois, je ne... Oh merde! Je ne pensais pas. C'était pas ça que je voulais récupérer, c'était lui. Ok. Alors ici on a un coffre. Ah merde, il y avait un coffre de l'autre côté. Ok, donc là je vais venir avec ça, d'accord. Ok, ça c'est pour la plateforme. Salut Jean-Louis, comment ça va? Bienvenue. Là où on a quoi là? C'est pour la plateforme, tu vois. Ok. Ça me fait faire quoi ça? Ah bah c'est pour aller là-haut, ok. Thank you.
l'instant, alors attention. J'en ai besoin pour aller en bas d'abord. Merde! Ah, fais chier. Ah, bah oui. On est bloqué, hein. Trop tard. Nos côtés, hein. Ça nous a fait aller en bas. Ok. Donc là, je pense que ça va être la même chose. Je vais devoir le faire venir. Rapproche-toi un petit peu. Mais je crois que c'est la même. C'est la même que tout à l'heure. Oui, on est revenu à la case départ. En fait. Ah putain, attends. Reviens, attends. Reviens, reviens. Reviens. Merci Guillaume pour le partage, bienvenue Guillaume, salut Alex. Et comment elle va Victoria au fait? Fais-lui un bisou aussi. De ces portes là, c'est chelou. C'est peut-être que ça me servait peut-être juste à les buter, les cons. Bienvenue à tous. Alors en bas, on y est allé. Attends. Et oui, en bas, ça m'a fait revenir à où j'étais en fait. Tu veux pas? Ah, déjà, il veut plus. Tu m'emmerdes, mec. On est bon. Ok. Il va falloir que je fasse bouger ce truc. Oh merde! Oh, fais chier! J'étais god! Fais chier, fais chier! Dommage qu'on peut pas se servir de rivali. Ah bah oui, c'est normal. Allez. Surtout qu'en plus, elle arrive, elle. Ah, allez, on part sur la colle. On va pas se faire chier à prendre le coffre de là-bas. Pour de m'emmerder. Bienvenue à tous les gars. Oh
Encore, il y a eu des soucis pendant un petit moment avec les commentaires sur Facebook. Ils font chier. Allez, tchuss. Alors, je vais quand même me diriger vers les Gorons. Pour faire les sanctuaires des Gorons. Ciao, Gollum. Comme ça, on va commencer à faire. Parce qu'il y en a trois à faire. Il y a trois boss à buter avec trois sanctuaires. Et ensuite, on doit se faire se refaire le boss. Eh oui, malheureusement. C'est une lune de sang, sa grand-mère. Alors, c'est ici. Et je pense que le premier, c'est dans les hauteurs, mais il va falloir que... Non, ça, c'est chez les auras. Alors, je sais qu'il y en avait un ici. Voilà. Mais, laisse-moi regarder, attends, ma map. Alors ma map au niveau des sanctuaires, désolé vous allez avoir la map dessus, c'est pas grave. Donc on avait dit qu'on avait, donc autant, on a un sanctuaire ici, aussi un sanctuaire là, un là, un là, un là. un là, on est bon. On en a un par ici. Un qui m'a l'air d'être juste à côté. Ouais, ça m'a l'air d'être par là, là. Attends. Là, il y a ça, là. Ok. J'en ai deux ici. Un là. Un par là, là. Celui-là, on est bon. Ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Il y en a un ici. Ok. Allez, on va aller là. Ah, mais merde, non. Je suis bête. Je suis à l'intérieur. Ah, quoi que... Non, elle est où? Elle est plus dans le volcan, elle est sortie du volcan. Normalement, je devrais être bien positionnée. Elle est sortie du volcan, non. Ouais. Okay. On va pas laisser le temps de me changer. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Oui, je sais, mon ami. Alors... Oh putain, merde. Remonte sur ton petit rocher, copain. J'ai besoin que tu puisses voir. Et ouais, mais il est dans le truc. Alors attends. Parce que je crois que les trucs, ils sont ici. Je suis pas sûre s'ils sont là ou s'ils sont là, les tours. Je vais essayer de voir plutôt par là, mais je crois que c'est. Je sais plus. D'en avoir ici de ce côté. Donc ça veut dire qu'elle est de l'autre côté.
Salut David, comment ça va? Bienvenue. Alors, on a un sanctuaire là, mais celui-là, on le connaît. On va pouvoir le faire, de toute façon, celui-là, à un moment donné, puisqu'on a la tenue complète. Mais moi, ce que je cherche, c'est les trois fameuses tours. En plus, la nuit, pas la merde. Mais non, mais pas du tout, en fait, copine. C'est plus de ce côté-là, quoi. Ah, c'est ça. Ah, y a mon petit chat. Alors attends, si elles y sont. Ah, oh, putain, fais chier. Ok, mec. Ça m'a fait me remettre. Ces tours de merde. Ils sont quelque part. Mais en plus, dans le nord, c'est la merde. Je peux pas vraiment voir. De rock. J'ai pas une épée de glace. Putain, j'ai pas. Ah, je sais, mec, mais attends, contre le chat, la chaleur. Est-ce que j'ai un truc contre la chaleur? En fait, ça va marcher. Mais... Attends, il est où lui? Ah bah en tout cas, il est sur le rocher, il est pas sur la... Il est sur la tête. J'avais pas vu. Salut Robin, salut Pascal, coucou Chantal. Allez-y, remonte. Chaque fois il me fait tomber et ouais il est dans un petit coin de rocher. Putain, ça va être dur de lui monter sur la gueule.
Pourquoi il glisse, espèce d'imbécile? Ah putain, tu m'emmerdes, t'es nul. Ça va Ludo? Comment ça va? Et tu vois, c'était... Ouais, mais peut-être qu'il faut que je fasse la quête, faut que j'active la quête, ça veut dire qu'il va revenir le con. Je pense que je l'ai fait pour rien. Ah, dommage. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'active la quête. Ah, mais attends, le truc c'est qu'elles sont où ces tours là? Bon, maintenant il fait jour. Ah, mais merde, non, d'accord, c'était pas là. Alors attends, c'est où? Il y en a un autre ici. Ah non, en fait, c'était ça, il y avait un. Eh oui, le sanctuaire il se serait mis là. Ok. Bon, il va falloir que je me mette en hauteur. Parce qu'il va falloir d'abord que je trouve les tours. Je pensais qu'on pouvait peut-être les buter à l'île de Rock et ça activer la quête, mais non en fait. Aucun souci, Robin. Donc il va falloir que je trouve les fameuses tours qui sont sorties. Mais je vois, putain, je vois pas où elles sont. Surtout que ça elles s'affichent pas sur ma map. Bon, il fait jour, toi, ça sera beaucoup plus facile pour les repérer. Ça, c'est le relais. Les forêts sont pas là. On dirait un Playmobil. C'est vrai. Pas là non plus. Je sais que c'était pas en grosse. Je pense pas que ça soit en grosse hauteur. Je vais faire le tour. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Au moins que ça soit pas du tout et que ça soit. Ouais, ce que je suis en train de regarder ici. Au moins que ça soit plutôt de ce côté-là, mais je pense que c'était autour du volcan. Merci Nani pour le follow, bienvenue à toi. Je pense pas que c'était en grande hauteur le truc. C'était où déjà? Je les vois nulle part. Alex, tu te rappelles où elles sont les tours chez les Gorons? Tu sais, pour déclencher les trois sanctuaires là. Le trou où il y a le piaf, c'est la musique. Perso, je suis en train de regarder partout autour là, je vois pas. Peut-être que c'est pas là du tout en fait. Hein. Oh, attends, c'est peut-être pas autour du des trucs. Peut-être plus loin. C'est plutôt autour des du village. J'y vois que dalle.
Pareil, hein. Oh, Céline, Alex, c'est comme Ludo. Il est pas, il est là, il est jamais là quand on a besoin de lui. Attends. Bah ouais, madame, quel pauvre Alex. C'est mes modos. Hein. Les modos, ils sont supposés être là. Alors attends. Si c'est pas là, c'est où? Peut-être là, mais. Pour le coup. T'inquiète, y a pas de souci, ma petite Céline. Tu sais pas du tout, tu as fait le jeu, tu l'as fait 100 fois comme moi et tu sais pas. T'es nul. Salut Joachim. T'as vu des sortes dans le DLC, je sais pas si t'as fait le DLC, quand tu commences à refaire les boss, tu vois, tu dois faire 3 sanctuaires à chaque fois avec à buter 3 boss. Et à la base, au départ, tu as une sorte de grande plateforme avec des 3 petites tours, avec des photos et le piège qui fait sa chanson. C'est ça que je cherche pour pouvoir déclencher la quête. Je me rappelle plus du tout où est-ce que c'est sorti ces merdes. C'est sorti, pour être sorti, c'est sorti, mais où? Mais on me souvient plus. Pour moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Parce que le mode expert, moi, ça fait depuis sa sortie, depuis 2018 que je ne l'ai pas fait. Parce que le mode expert, je l'avais pas fait. J'avais pas fait les DLC. Quand j'ai fait le mode expert. J'ai fait que la quête classique. Attends, je vais essayer de me mettre plus haut. Ah non, il a jamais fait celui-là, il aime pas. C'est le seul qu'il aime pas. Pas fait les DLC, désolé, c'est pas grave, merci Joaquin. Alors attends, on va trouver. On va trouver. C'est là. Trouver. C'est bon. On a trouvé. Ce que je me suis dit, c'est peut-être autour des, du village. C'est bon, on l'a. On les a. Elles sont là. Comme ça, on va devoir se refaire le lit de rock. Fait chier parce qu'on l'avait fait. C'est dommage. On s'en était bien sorti. Ah! Allez, c'est parti. Oh, fais pas ton mec. Voilà. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Ouais. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélés. Mais ça va, on les a les emplacements, mec. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. Les bombes de la tablette, je les utilisais, mais je les utilise mes bombes de la tablette, pourquoi? J'avais pas besoin de les utiliser. Les bombes de la tablette, je les utilise tout le temps. Salut Seb. Oh. Ce monument s'éclaire cette fois. C'est manifeste, j'avais craint un instant que je perdais la tête. Oh. Que vois-je, un voyageur? Quel tableau peu commun. Ces contrées sont bien rudes pour qui s'en vient de loin. Ah.
Ah non, j'aime pas parce que moi je préfère user mon arme parce que les bombes ça fait exploser les minerais, ça les fait exploser partout et vu qu'il y a du feu tout autour, souvent tu les perds les minerais quand tu les fais exploser donc non, ça m'intéresse pas. Ainsi donc, et puis maintenant du fait que j'ai les amiibo, j'ai des armes tout le temps. Ainsi donc, la chaleur ne te dérange pas? Pardonne ma question, je m'inquiète pour toi. À moins qu'il ne s'agisse d'une quelconque astuce. T'es-tu loin, toi aussi, d'un remède d'inifugé? Bien sûr. Vois-tu, je m'en doutais. Je ne puis, pour ma part, supporter cette chaleur sans du poulet rôti arborer les couleurs. Bon, tu nous as saoulé, toi. Vas-y, fais ta chanson. Allez, vas-y, je vais te la chanter. Vous avez remarqué que vous avez des sortes de gorons qui sont dans les pierres, des visages de gorons et tout dans les pierres. Là, on voit un goron, il est comme ça, là. C'est trop rigolo. L'accordéon. Ah, elle est trop bien ton œuvre. Ok, c'est parti. Ok, donc on sait où elles sont, hein, on les a. Donc je pense que c'est celle-là, celle-là et celle-là, comme j'avais fait de base. Donc on va retourner et on va les faire. Je suis pas sûre que celle-là. Non, peut-être il y a celle-là. Parce que ça, c'est juste un temple classique. On va aller là. On va refaire parce que si j'ai mis une étoile, c'est qu'il y a un sanctuaire. Et il n'y avait pas vraiment de sanctuaire tout autour, ni de plateau tout autour. Donc ça doit être une des épreuves, ça. Même si je n'ai pas regardé les photos. Alors, bah, nickel. Cassez-vous, les oiseaux. Donc, on a dit que j'allais devoir refaire. Ah, mais non, mais je crois qu'une fois que je l'ai buté. Ah, merde, je suis niqué. Ah, oui, il va pas réapparaître, le mec. Ah, fait chier, oui, c'est mort. Faut que j'ai une lune de sang. Ah, bah ouais, j'avais pas percuté sur le coup. Ouais. Il va falloir qu'on ait une lune de sang. C'est la merde. Bon, ben on va aller à ce. Je pense plus que c'est celui là-bas, là. On va être bloqué. Parce que les lunes de sang, j'en ai pas tout le temps, là. Il va falloir qu'on bute des moblins et tout, là. Putain, c'est moi qui voulais le faire aujourd'hui, le truc complet. Je pourrais pas, parce que le temps d'avoir une lune de sang, on n'en a pas beaucoup. Après, si je tue beaucoup beaucoup de moblins, je peux avoir une lune de sang assez rapido, mais. Je vais quand même essayer d'aller sur celle-là pour voir au cas où.
Attends. Oui. On dit qu'il y a un sanctuaire là. Ici. Tu me dis qu'il y en a un ici, mec. Alors, j'ai du mal à noter sur ma map. Hein. Je vais voir. C'est moi qui ai du mal à noter. Ça. Et ouais. Non, ah non, c'est bon, je l'ai fait. C'est celui de là. Ok, c'est celui qui est là. D'accord. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc, j'en ai une qui devrait être, voilà, ici. Ce qui veut dire... Et voilà, elle est là. Je te vois, meuf. C'est pas la plus difficile, celle-là. Par contre, pas sûr qu'on y arrive parce que j'ai trop en plus 3 milliards d'armes, je pense. Allez, c'est bon. On est bon. Bon, celui-là, c'est pas le plus dur de base, donc ça va. Bon, après, les sanctuaires sont un peu plus casse-couilles dedans. C'est parti. Donc, il va falloir que je l'augmente ma tenue de feu là. Maintenant.
Moi aussi j'ai ça, Robin. J'ai que des prises téléphoniques. J'ai pas de prise. J'ai pas de prise internet. C'est que des téléphoniques aussi que j'ai. Mais ça marcherait bien. Hein. J'ai une très bonne connexion. Hein. Salut ma petite Chantal, comment ça va? Okay. Sérieux, oh. Oh putain, il m'a séché la gueule le coffre. Mais arrête. Oh mais sérieux. Mais tu m'emmerdes. Ah, maintenant il est là, lui. C'est bon, moi. Hein. Salut, Mohamed, bienvenue. Ah, bah ouais. On dit pas non. Hein. Ah non, je suis deg. Ah, je suis trop deg. Ça me fait reprendre où? Oh putain, merde, faut trop faire. Tout refaire, pas tout, mais parti. Fais chier, putain mec, saute. Il est chiant quand tu fais ça. Il est un peu chiant quand il saute pas alors que je le fais sauter là. Ah oui, difficile si c'est pas en français. Il a fait un peu plus bas. Salut Mylène, comment ça va? Bon, on va essayer de ne pas se rater. Je vais faire peut-être un peu plus bas, comme ça moi je suis quasiment sûr de le choper. Ouais.
non. Oh. Salut Myriam, bienvenue. Bienvenue à toi. Go. Alors ça c'est fait. Deux moins. Il en reste deux. J'espère, mais je crois que c'était le lit de roc. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on essaie de buter des monstres pour faire une lune de sang et pour pouvoir refaire le lit de roc. C'est chiant ça, j'aurais pas dû le faire. Je pense que c'est lui. De quoi c'était marqué quoi? Je sais pas. J'ai même pas vu le message. Ah bah tant mieux, c'est Mylène. Alors attends, on en a un ici. Merde, je peux pas aller là. Ah, le seul endroit c'est là. En hauteur. Ouh. Oh là là. On est bien les gars, on est bien. On est calé pépère. Alors, fais voir. Donc, bien sûr, c'est de l'autre côté. Merci mon très cher ami. Alors, voyons, voyons. Je ne l'ai pas eu fort. Ouais, c'est bien ça. Ben, après, t'es jeune et puis t'es en bonne santé. Donc, ça y fait beaucoup aussi. Hein. Faut pas croire. C'est peut-être que des lettres qu'il va faire, je crois. Ça m'a l'air d'être un lit de roc aussi. Ouais. Putain, ça va être just. Merde. Vas-y. Putain, c'est chaud. Je tombe au bon moment. Donc, putain, mais il m'a fait chier celui-là. Oh putain, d'accord, j'ai pigé. J'ai pigé. C'est mes flèches explosives qui explosent. Comment je vais faire pour passer? Il va me faire chier longtemps, lui. Hein. Je le renvoie quand même. Attends, je vais me mettre en hauteur parce que je pourrais pas y aller sinon.
que je lui envoie une bombe dans la tronche. Bisous Robin, bonne journée. Mais non, mais ça marchera jamais. J'ai plus Rivali là, casse les bonbons. Peut-être ça va passer. Ouais, ça passe. Donc, à la base, il y a un truc à faire. Mais quoi? Il est là. Putain, c'est vrai que c'est le lit de roc qui est en plein milieu des flammes. Je m'en rappelle. Ça va être la merde. Non. Ça va être de la merde pour le buter à lui. Parce que dès que je vais tomber, à chaque fois, ça va me buter. Bon. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vais tomber, je vais m'éclater la rondelle. Mais ça lui enlève rien, c'est la merde. Attends, je vais y aller dessus. Ah putain, enculé, il m'a chopé. Mais comment tu as fait pour me choper cette coupe? Ouais, mais c'est bon. Ils sont sur Facebook. Je peux utiliser ma... À tout moment. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Putain, celui-là, c'est le pire. C'est le pire. Il te casse les couilles parce qu'il est en plein milieu des flammes de merde. Hein. J'ai envie de buter sa gueule à ce connard. Putain, t'as même pas le temps de le toucher.
Faudrait que j'ai une épée plus, plus basse. 36. J'ai rien de plus puissant là. Putain, elle s'est pété. Non, ça va. Allez! Oh, mais putain! Mais ça marchait pas, fait chier! Je crois que j'en ai plus des flèches de glace, Chantal. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Ouais, c'est pour ça que je les ai pas utilisées, j'en ai plus. Salut Corentin, bienvenue à toi. En forêt, jusqu'à côté de chez nous. Ah bah tu m'étonnes. Yeah. Ah t'inquiète, on a géré ma petite Chantal. Heureusement que j'avais beaucoup de bouffe. Heureusement que j'avais beaucoup de bouffe. Ça va super bien, merci beaucoup Corentin et toi. J'ai plus de monde, oui, Meruem, j'ai plus de monde sur Facebook. Toi aussi, Cécile. Maintenant, tu as traumatisé ta gosse, la pauvre. Oh putain, mais non, sérieux, la pauvre. Elle a traumatisé. Elle a plus jamais vouloir aller dans la forêt, la petite. Pauvre petit chaton. Oh putain, mais là t'es foutu maintenant, meuf. Là, on a un coffre. Ah, je pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Ouais, pas mal ça. Tombe, 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 tombe. Oui, oui, oui. Non, merde. Attends, mais il y a un truc à faire là. Parce que le coffre est tombé dans quoi là? Attends, je vais aller. Il
Ah ouais. Je pensais qu'il fallait que je fasse tomber la boue. Bah oui, mais bon, c'est les enfants, hein. Elle a sa baguette magique. Pauvre chat. Heureusement qu'elle a une baguette magique maintenant. La peau. Non, moi j'ai mon fils, j'ai les gosses à l'école, quoi. Ils commencent à essayer de lui faire peur, tu vois, avec les monstres et tout. Et nous, on a dit que c'était que les monstres, ils étaient gentils. Et il y a un dessin animé, en fait, où... le petit bonhomme, c'est Love Monster, tu vois, et ils adorent les petits monstres. Et donc, en fait, on lui a dit, tu vois, ils sont gentils, les monstres, ils font que des guilis. Donc, ça arrive, tu vois, ça passe, mais... ça. Mec. Ça, putain, c'est dans l'autre sens que je veux faire. C'est dans ce sens là, putain, c'est la merde. Ouais, c'est ça. Bon, je suis pas sûr que ça va marcher cette histoire. Ça. Alors attends. Alors attends, si je fais comme ça. Sinon, comme ça. Non, reviens. Ça va être trop. Je crois pas trop, hein. Remilène. Marché. Mmh. Ah carrément, elle est pas sortie la boule. Elle est restée coincée là-bas. Oh. Pas royalement. Non mais. Complètement exceptionnel, les amis. C'est du magique, là. Je suis magicienne. Mais oui. Bon, par contre, je suis un peu énervée parce qu'on est bloqué pour l'autre. Mais c'est bizarre, attends, encore un lit de roc, deux lits de roc. Chelou quand même, peut-être pas. Hein.
Après, c'est sur Twitch, sur Twitch, c'est désert. Encore un, ouais, mais j'ai peur que ça soit un. On va devoir être bloqué. À voir. Après, on n'est pas beaucoup sur Twitch par rapport à Facebook, mais même Facebook, c'est calme. Donc c'est où celui-là? Ou celui-là là-bas? Celui-ci, j'y crois pas trop. Donc, ce qu'il va falloir. Il va falloir que j'aille buter des cons. Faut qu'on déclenche une lune de sang. Parce que si je déclenche pas de lune de sang, je suis dans la merde. Faudrait que je fasse les autres en attendant. Parce que depuis qu'on joue, on n'en a eu que 3 de lune de sang en 20 épisodes. Bon, après, les lunes de sang, on en a quand on bute beaucoup de mobiles. Et c'est ce que l'on va faire. Voyons voir. Alors là-bas, j'avais mis une sorte de petite épée. Je ne sais pas pourquoi. On sait quoi, on va aller faire un petit tour pour voir. Ah mais attends, il n'y a pas de petit souvenir dans les parages. Qu'il y a un souvenir. Eh oui, je crois qu'il y en a ici, non? Là. Cassez-vous, vous faites chier. Là. Eh ben, venez, on va se faire un petit souvenir. Quelle mémoire. Je me rappelle pas toujours de tout, mais par contre les emplacements des souvenirs, c'est pas trop mal. Oh mais vous me faites chier. Je suis sûre et certaine qu'il y en a un là. Pas possible. Je suis sûre que c'était à côté de cette arme. C'est là où il y avait les fleurs de la sérénité et tout. Ma gueule quoi. Oui, regarde, pas taré. Hein. Ouais, c'est ici. Bah, c'est bizarre que. Ah, voilà, c'est bizarre, j'ai pas le souvenir sous ma gueule. On n'aura pas le temps de faire les. De faire le boss des Gorons, je pense qu'on ira au Piaf après, en attendant que l'on ait une lune de sang. Celle-ci aussi, et celle-là là-bas. Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Toujours aussi bien, hein, on est très bien, on est calé. Ah oui, c'est ça, la fleur de la sérénité. Son espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelques temps, nous les cultivons. Ce truc, ça fait une dizaine de jours qu'il pleut là, on en a marre. Mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh ! Tiens, regarde ça.
Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel. Il faut absolument que tu y participes. Bah non, c'est plus la saison des pluies, c'était la saison entre janvier et mars. Et là, on rentre en automne, mais pendant la saison des pluies, il n'a pas, quasiment pas plu du tout. Je pense que là, les saisons, elles ont reculé. Tu vois, en France, il fait chaud jusqu'à novembre maintenant, à Marseille, dans le sud. Je pense que nous, la saison des pluies, elle s'est décalée de quelques mois. Et là, je pense que là, maintenant, c'est beaucoup plus humide, alors que normalement, c'est janvier, février, mars. Donc, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, tout ça, et... Je pense juste que les saisons maintenant elles se sont décalées. Il n'y a que toi que ça plaît pas, mec. C'est pas ma faute si t'as pas de goût, Ludo. Non, ça va pas servir à rien. C'est toi que ça sert à rien, chacun son kiff. Hein. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. C'était très bon. C'était un joli souvenir. En fait, c'est parce que t'as pas pigé, t'as pas regardé. C'était pour parler de la fleur de la sérénité. Cette fleur-là, elle va être assez importante dans nos jeux pour augmenter nos trucs et tout. Alors pourquoi j'ai mis une épée là? Il y a peu de zèbres ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis une épée ici. Rien à voir. Pas ma faute, c'était nul. Hein. Même dans le jeu, plus c'est clair. Bon, il va falloir que je trouve un endroit où on bute des gens. Normalement, il y a du monde par là. Non. Ici. Où est-ce que j'ai le plus de boss? Je pense que c'est dans les rues, là. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est ça, les saisons. Déjà, il n'y a quasiment plus de saisons en Europe. Ils font un peu comme nous en Australie, où il n'y a que deux saisons, saison des pluies et saison sèche. Donc c'est un peu dans le même style maintenant où il y a la saison chaude et la saison froide en France. Mais c'est vrai que ça a reculé maintenant. Maintenant il neige en avril alors qu'avant il neigeait pas du tout en avril. Alors... AVV là-bas là. Ou sinon, tu sais quoi, je me casse direct et on va faire les piafs. J'attendrai qu'il y ait une lune de sang qui se fasse. Parce que là, dans même pas 10 minutes, on a fini. Donc j'essaierai de voir de buter en off pour essayer de débloquer. Ça, c'est chiant, ça. Qu'il ait pas repopé, le mec. Alors tu vois qu'en Australie, en France, en octobre, il faisait froid, il commençait à faire froid en France. Maintenant, plus du tout. Alors, ils sont où les petites tours ? Là-bas. Donc ouais, après voilà. Donc je pense que là on est dans la saison des pluies. Mais heureusement, vous êtes au printemps là, Ludo. T'es pas en short, tu aurais un souci. Dans 2 mois, c'est l'été, mec.
Même pas dans, ouais, dans 2 mois, un peu moins que 2 mois. C'est l'été, heureusement que t'es en short, tu aurais souci. Qu'à l'époque, bah encore, il disait bien en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc en avril, il fait toujours un peu. C'est là où les températures elles montaient indécent, mais ouais. Avril, de toute façon, c'est le mois où ça monte et ça descend au niveau des températures. Où un coup il fait chaud, un coup il fait frais, un coup il fait chaud, un coup il fait frais. Alors toi, on va te passer parce qu'on n'a pas trop le temps. Ouais, non, là, ça fait 10 jours où il pleut non-stop. On a dû voir un rayon de soleil avant le CR qui a duré 10 minutes. 10 jours qu'il pleut. Depuis qu'on a aménagé, il pleut tous les jours. On a profité de la piscine une fois. Ça va se calmer, mais... C'est bizarre. Pas mal, sympathique. Oh, je suis fatiguée les gars, désolé. Alors c'est parti. Donc ici, j'en ai deux ici, mais j'ai pas tout noté. Alors voyons voir. Donc les piafs. On a deux là, ok. Attends. J'arrive pas à voir où on est là. Bon, ça c'est ici, ok. Il y en a un ici, on est bon. Il y en a un là. Ici, là, je l'ai bon, je l'ai fait. J'en ai un par là. Et qui va être ici. Ok. Donc ça, c'est le lac. Je pense que j'en ai déjà fait un. Parce que je pense que ça m'a dû en erreur, ça. Et oui, c'est ça. Parce que là, j'en ai un ici. J'en ai un à peu près par là, là. Ici, dans la zone d'exercice de vol. Tu sais qu'il y en a deux par là. Donc, un que je viens de faire. Et un qui doit être dans les parages. En fait, il n'y en a pas là. Et ensuite... par là et ensuite on en a un si tu regardes le lac qui va, on en a un par là. Ok, bonne journée Pascal, merci. Ah ouais, mais quand il pleut il fait froid hein. Je vais essayer de voir dans la zone du col. Avant de finir là. Non, nous il fait pas froid, c'est ça qui vient, c'est parce qu'on est dans, une zone tropicale, il pleut juste. Il fait un peu plus frais, il fait 27.
Alors attends. Hop là. Comment il faut en buter des trucs? Tout ça le faire? Le problème c'est que j'en ai que 8. Non, il y a un truc. Ça réapparaît. Ça réapparaît. Je te protégerai. Ah ben attends, c'est bizarre. T'as un sanctuaire ici? Merde. À faire, mais je sais plus quoi. Déjà, j'ai plus de flèches. Il va falloir que j'aille chercher des flèches. Il doit y en avoir là-bas des flèches et des coffres. Faut que je les fasse à un certain temps, non? Je m'en rappelle plus, putain. Ah putain, il n'y a pas de flèches nulle part dans ce bled. Je me souviens plus. Il y a un truc à faire, mais je sais plus. Fallait faire quoi dans celle-là? On sait qu'il y a des trucs, il faut péter les machins, mais quoi? Il y a un ordre peut-être? Non, ça réapparaît tout de suite. Putain, tu t'en rappelles de celui-là, Alex? Au moins que c'est juste un camp d'entraînement là, histoire de m'entraîner aux flèches. C'est bizarre parce que, attends, on a entendu un sanctuaire dans les paroles. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Donc ça veut dire que le sanctuaire d'ici c'est pas ça l'épreuve. Parce qu'il y a un sanctuaire mais où? Pas où est-ce qu'il peut aller le sanctuaire, mais bon.
quand même zappé, mon sang. Il va être pété, non? Bon, en tout cas, on se casse d'ici, c'est que c'est pas celui-là. Après, ici, il n'y en a pas, hein. À moins que ce soit ceux de là, là. On peut voir. Je suis pas sûre que ce soit ceux-là, hein. Parce qu'on n'avait pas les œils Sheikah, mais c'est vrai que c'était bleu, hein, les épreuves. De toute façon, on est bon, là. Je vais quand même checker là-bas et après, on verra. On verra, on verra. Mais ça m'intrigue. Il y a un truc à faire, mais je suis pas sûre. Il devrait y avoir un minuteur de base, tu vois. On va essayer de voir ici. Mais ça me paraît un peu loin quand même des piaves ici. Bon, il n'y a rien autour des piaves, donc je vois pas où est-ce que ça pourrait être sinon. Donc si c'est des sanctuaires classiques, je le saurais. Je verrai, ça va s'allumer. Tu vois, comme là où on était, ça clignotait. Donc, c'est qu'à la base, je pense pas que ça soit une épreuve. Parce que normalement, les sanctuaires comme ça, tu les entends pas. Ça me dit que c'est là-bas. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense savoir. On va le faire avec le bouclier. Il y a un truc à faire avec le bouclier, je pense. Ou pas, mais attends, on va faire le coup au bout là. Peut-être une glissade, tu sais. Il y a une glissade à faire avec le bouclier, je pense, avec les anneaux là. Parce que normalement, les anneaux, tu les as. Hein. À la base, il me dit que le. Tu vas me faire chier longtemps, toi. Casse-toi. Le ratin. À la base, le temps de sanctuaire, il avait l'air d'être ici, sur ma map. Que je vérifie. Ah voilà, c'est les drops. Ah, c'est les vampires. C'est pas mal de pas avoir de flèche. Je sais que j'arrive jamais à les buter, ceux qui sont de dos. Mec, il m'a donné un coup, il m'a explosé la gueule, il m'a fait tomber jusqu'en il m'a fait tomber jusqu'en bas, hein. Je les déteste, les lidocoques, moi. Je les hais, surtout ceux qui ont les trucs dans le cul, parce que c'est la misère pour les buter. Allez, vas-y.
manque là. Il manque encore. Merde. Shit. On peut le faire. Ah non. Il est où? Sur la gueule. Ah oh, mais tu vas me faire chier l'autre connard de merde là. T'es calé là, c'est une grosse merde là. Chier avec sa lance. Casse-toi. Putain. C'est trop chiant. En plus, lui qui monte jamais là, tu m'emmerdes. Je t'ai pas dit de t'asseoir. Jamais y arriver. Il est trop chiant. Je sais même pas où je suis. Je vois plus Link. Allez, merde. Oh, Link, t'es mort. Dégage. Grosse merde. J'aurais pu avoir où ça. J'arrive pas. Ça me saoule. La vision est horrible sur celui-là. Allez, monte. Où ce connard? J'arrive plus à le voir, cette espèce de... Non. Là, dégage, je te la remets. Ceux-là, c'est les pires. Je les déteste. Je préfère les boss et tout des créatures divines. Ceux-là, ceux-là de régulés de rock avec les diamants dans l'arrière, c'est les pires de tous. Je vais jamais les choper. Vas-y, mon cul. Comment tu peux être aussi con? Mais c'est pas possible, le mec. Je te demande d'escalader. Je peux pas escalader en rocher, c'est sérieux? Non, tu t'approches que quand tu en as envie, connard. Tu vas voir, ça sert à rien, c'est même pas à lui. On s'est fait chier pour rien depuis tout à l'heure, c'est même pas à lui le truc. Si c'est pas ça, je meurs. Si je me suis fait chier. Bon, après, c'est pas. Putain, ça en est pas un. Oh la merde, c'est pas une mission. Oh, je suis dégoûtée. C'était juste un gros connard qui était là. Putain, fais chier. Alors là, il me dit qu'il y a un sanctuaire. Non. Oui. Ok. On va au moins ouvrir celui-là sans faire. Putain, il se fait chier à le buter pour rien. Je suis trop dégoûtée.
Juste que cela, c'est le pire. Quasiment sûr qu'il y avait un sanctuaire là-dessous. Sors! Je vais m'énerver. On décrève. Ah, je sais pas. Bon, j'irai après, de toute façon, c'est pas grave. On est mort gelé. Merci pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. On a bien galéré aujourd'hui avec les Lidorok à buter. C'est les pires. Je crois que c'est les pires boss. Je préfère presque les. Comment ça s'appelle? Les Linelles, tellement je les préfère. Bien, c'est merci ici pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé le live. À vous abonner si vous souhaitez vous abonner. Les abonnements qui sont gratuits et classiques qui vous donnent accès à tous les lives de la semaine. Et vous avez aussi des abonnements à 4,99€ qui vous permettent bien de gagner un jeu vidéo par tirage au sort. Il faut venir deux fois par semaine et mettre des petits commentaires sur live ou replay. À rester un petit quart d'heure. Vous avez aussi... salut, Both Funky. Bonjour et au revoir, désolé. Vous pouvez être aussi sur le Discord, je continue les lives après le Discord, souvent, là en ce moment je suis un peu fatiguée. Et vous avez aussi la possibilité de jouer en coupe avec moi, nous sommes sur Resident Evil 6 et ensuite nous serons sur Elden Ring. Voilà les amis, en tout cas je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à demain les gars, bye!